Les Congolais aiment plutôt soutenir les candidats influents, à citer peut-être Obata Djakoni, ou Nakobaneti, le Moïse Katumbi, parce qu'il est Djakoni, Asala Dja et Bélé pour les Congolais, Moussous Obayebi, ou Bado Sapote pour Nabongo. Pensez-vous vraiment que votre candidat, votre choix, les Congolais peuvent accepter facilement, peuvent voter? Les Congolais doivent, bah, Congolais va accepter et puis va voter Alain Daniel Chikomba. Pourquoi? L'élection au Tozali Kokende et cause à l'élection il y a David Bitumba, David Nagoliath. Comme tu l'as dit, Monsieur Serge, peut-être personne ne donne à Alain Daniel Chikomba la chance. Mais pendant que Bango Bazali ko s'embrouiller, pendant que Bango Bazot Kende par-ci par-là, Koluka ki bokonze pa ba mindele. Allait Daniel Chikomba à reconnaître que la souveraineté de l'État commence par son peuple. To boy ko landa mondele poto zo ki bokonze. To respecter le peuple congolais, bangone baza souverain premier d'une nation. C'est-à-dire que to lingi to zo bokonzi et pas na bango, to sale la bango pour être ensemble et to changer le destin. Ba kombo o bino bozali ko tanga, ba Moïse Katumbi et autres. Tous ces gens vont travailler dans le système politique actuel. Ils ont des comptes à rendre avec le peuple congolais. Alors, vous allez comprendre que dans le Congo, c'est 100% de la population congolaise, c'est-à-dire 80 millions de Congolaises et Congolais. 2% au Tobengi, les politiciens, ils sont à l'opposition, la majorité. Bangonde, ils allaient gérer les richesses du Congo. 98% des Congolais, ils allaient souffrir. Yango Alain Daniel Chikomba a eu 12 actes d'engagement citoyen. Aza na parti politique te, aza na opposition te, aza na majorité. C'est ça le problème. Mais yesko caméléon, c'est ça le problème qui se pose au Congo quand candidat s'est présenté au aza na parti. Non, non, c'est-à-dire que ça crée la confusion vous avec comprenez, la population congolaise. La classe politique congolaise actuelle de Bomimbok. Et banane bazo souffrir. 98% des Congolais ont bazo bénéficié de la ressource en Mbokate, ont bazo les victimes d'insécurité, ont bazo les victimes de malnutrition, ont bazo les victimes de maltraitement et de maladie. Il n'y a pas cette grande masse. 98% ont bazo les souffrir. Congo promo défaite. Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ghetto, check. Hugues Rakoff, Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues Rakoff, Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogar. Vous allez voir. Il n'y a plus Hugues La Coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues La Coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues La Coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. Hugues La Coiffe Ikote. La beauté de votre chevelure chez votre frère Hugues La Coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues La Coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable.
grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiment, immeuble, vente de terrain, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçu. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447-93-92-82-813. Et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243-89-91-56-86-2. Descartes Construction, à Tozana Mbongomoke, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michelou Atlantic Shipping, et yeah. Bana ya Canada, bana ya USA, Bomitongi Sali Susute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitongi Sapenzate. Plus, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1-508-371-60-43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243-89-551-30-38. Michelou Atlantic Shipping. Yaboye, Baziwapi. Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 93. Référence salon Hugues la coiffe ikote. Votre réservation au 01 41 55 00 00. Raph Lindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde nanenga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci si tu es où, Mela. Rafingi, nous le présenter à la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Rafingi, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo, ne. Ouais, balobi Rafingi, nous. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'accorde net dans le film. Congo Promo, babunda na nango. Babu. Rafingindu. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss là. Il n'est pas présenté, il s'appelle Mike Kalomba, le président de la FCPA à niveau de Félicite Pena. Mon Mobimba, il est, comme vous le constatez, il est déjà sur mon plateau. Bonjour, monsieur Mike Alomba. Bonjour, Serge. Ça fait un bout de temps, aux arts visibles été, et l'on a un FCP. Qu'est-ce qui ne va pas? Le FCP a disparu, le FCP existe toujours. Oh, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Serge, lorsque tu parles de FCP, c'est-à-dire Force du Congrès Populaire, est-ce que Force a bon encore pas un pas, c'est-à-dire que tout ce qui est rare et cher, et FCP Zako travaille très dur, toujours pour accomplir sa vision. Et ceux qui sont dans les sillages à FCP savent que FCP est en très très bonne santé. Et en passant, je salue tous les membres de la coordination. En passant, je salue tous les sympathisants à FCP. FCP est en très bonne santé. Qu'est-ce qui a motivé la FCP ainsi que son président Mike Alomba et son apôtre, le futur président, M. Daniel Tshikomba? Nous allons soutenir la candidature à Alain Daniel Tshikomba, dans ce sous-bas, Benga Kaye, Lumumba mise à jour.
c'est par connaissance de cause, c'est par idéologie ainsi que la vision qu'il a pour le Congo de demain. Personnellement, j'ai toujours dit que je ne peux jamais devenir membre d'une structure politique existante au pays. Et lorsque vous regardez, Bauteiko publié par le ministère de l'Intérieur, il y a 599 structures politiques, il y a 77 regroupements politiques. Vous comprenez que et dans ces partis politiques, vous allez retrouver le même maintenant se répéter, et vous allez connaître qu'il y a déjà qu'il n'y a pas du sérieux. Et les lois qui sont aux mokan sa pote Daniel Chekomba, les Lumumba mis à jour, c'est parce que il est aussi victime de la trahison de la classe politique et il s'est retrouvé dans la diaspora kakaloko la biso. Et puis c'est quelqu'un peut azali ko bundele la mboka. Et si vous avez la chance ya kolanda chanson wayambo auti koyembelae, c'est déjà une raison pour que tout le monde comprenne que c'est un sujet du changement. C'est quelqu'un qui a une nouvelle innovation. Ce qui te mettre en ensemble avec le peuple congolais, nous allons faire sortir les Congos du Congo. Voir déjà comme ça la diaspora est déjà partagée. Il y a certains bazars aussi ce qui crée déjà la confusion. La diaspora en général s'apporte tout bazou soutenir candidature il y a futur président Alain Daniel Tshikomba. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que ma colline est bien. Comment est-ce déjà? Nous avons besoin de ma colline. Allez, bonjour, mon amour. Papa, on a son outil poto, on a un candidat, mon bon ami, l'eau qu'on a eu. Au contraire, ce serait pour nous une opportunité. Moi, Mike Kalomba, je suis le coordonnateur et directoire chez Komba pour président DSP. En tant que sujet de la diaspora et puis acquis au changement, comme Olobaki, tout ça, c'est pour vous présenter parce que la lutte que nous sommes en train de mener est au vu de tout le monde. Et nous avons la bande de Konabis et nous allons dans la diaspora. Batu o bino ba mususu bozali ko supporter, ils ont le sang des Congolais entre leurs mains. Batu mususu bino bozali ko betela maboko ba contribuer ya kokotisa Congo na koma. Ce serait une erreur grave to continuer na ba mêmes erreurs. Il est temps que to revenir en arrière et puis to se ressaisir. En nous ressaisissant, nous allons comprendre que soutenir Batuloko là-bas, Alain Daniel Tshikomba, ce serait une décision intelligente à prendre. Pourquoi? Ce monsieur n'a jamais travaillé dans aucun régime politique au Congo. Ce monsieur n'a jamais occupé un poste quelconque au Congo. Motivé par les soucis du changement, voilà qu'il s'engage avec nous qui sommes dans la diaspora. Ayena 12 engagements. 12 actes d'engagement citoyen. C'est-à-dire que nous avons un problème au Congo. La maladie du Congo est alliée dans 3 catégories. Nous avons un problème sur la démocratie, nous avons un problème sur la sécurité, et puis nous avons un problème sur la redistribution et la ressource naturelle. Pour résoudre ces 3 problèmes, M. Alain Daniel Tshikomba, a y a 12 actes d'engagement citoyen. Ok, ce qui bisona bino, 18 ans, yako s'engager. Et koko ma likambunaye li soussouté. Parce que ba politicien, ba koye la biso, ba projet de société, yakito ko je vous en supplie. Soko tangi 5 chantiers, un très bon projet, mais accomplissement nango sur le terrain, zéro. Tous ces grands
partir au Bozomona na Congo. Ils ont de très bons projets pour na Congo, mais l'applicabilité à vos projets sur le terrain, c'est ce qui est le problème. La classe politique congolaise a déçu le peuple congolais. Ça fait 58 ans que le peuple congolais va tourner le dos par les politiciens. Nous ne devons pas continuer na alurwana. Il est temps que nous changeons de politique. Il est temps que nous changeons de leader. Il est temps que nous changeons des idéologies. Et l'idéologie par excellence, à ce moment-ci, se supporter Mwanambok. Ayebi pasi yakolala nzala. Ayebi pasi yakozanga transport kotambola des milliers de kilomètres pour acquérir la sagesse. Ayebi pasi nini kozanga ba balabala ya malonga pour évacuer la production dans les lieux de consommation. C'est un Congolais de souche, à Botami à Colina Congo, à Yebi, Nini, ba politicien, ba Kotisibiso, comme Eliboulou, et ensemble à Lingiki avec le peuple congolais. Tomeka, Togo, Tanga, les 12 engagements, les 12 actes d'engagement citoyen, Oyame Melibiso, Pueteto Bimisamboka, Anana Congo. Les Congolais aiment plutôt soutenir les candidats influents. À citer peut-être au bata déjà connu au nord au banet il est Moïse Katumbi parce qu'il est déjà connu à Salaja et Bélé pour naba congolais musus au Bayebi au bato ça ça porte pour naba bongo. Pensez-vous vraiment que votre candidat, votre choix, les Congolais peuvent accepter facilement puis voter? Les Congolais doivent bah Congolais va accepter et puis va voter Alain Daniel Tshikomba. Pourquoi l'élection autosali kokende et cause à la élection y a David Bitumba, David Nagoliad. Comme tu l'as dit, M. Serge, peut-être personne ne donne à Daniel Tshikomba la chance. Mais pendant que Bango Bazaliko s'embrouille, pendant que Bango Bazot kende par-ci par-là, Koluka Kibokonze Paba Mindele, allez Daniel Tshikomba à reconnaître que la souveraineté de l'État commence par son peuple. To boy kolanda mondele poto zo kibokoze. To respecter le peuple congolais bango ne baza souverain premier d'une nation. C'est-à-dire que to lingi to zo bokonzi et pas na bango to salela bango pour être ensemble et to changer leur destin. Bakombo obino bozali kotanga, ba Moïse Katumbi et autres. Tous ces gens ba travailler dans le système politique actuel. Ils ont des comptes à rendre avec le peuple congolais. Alors vous allez comprendre que dans le Congo, c'est 100% de la population congolaise, c'est-à-dire 80 millions de Congolaises et Congolais. 2% sont les politiciens, ils sont à l'opposition, la majorité. Bangonde Bazali qui gère la richesse du Congo. 98% sont les Congolais. Tozali qui souffrent. Yango Alain Daniel Tshikomba a 12 actes d'engagement citoyen. Azan a parti politique, Azan opposition. Azana majorité. C'est ça le problème. Mais Yesko le caméléon, Apollo... c'est ça le problème qui se pose au Congo quand candidat s'est présenté au Azana parti. Non, c'est-à-dire que ça crée la confusion. Vous comprenez, la classe politique congolaise actuelle de Bomimbok. Et banane bazo souffrir. 98% ya ba congolais au bazo bénéficier na ressource en Mbokate, au bazali victime ya insécurité, au bazali victime ya malnutrition, au bazali victime il y a maltraitement, il y a maladie. Toye et pas à cette grande masse. 98% au basali qui souffrent. Je vais te donner un exemple simple. Les gens qui sont opposants, qui sont majorité, qui sont belles, ils sont soignés tous. Ils se font soigner tous à l'extérieur. C'est pour dire qu'ils n'ont pas confiance dans. Hôpital y a Congo. Ce qui l'ero balingi batangi sabana na bango, batangi sabana bango. Na balibanda. C'est pour dire que nous avons un ministère de l'éducation, mais banana bango batanga kalibanda. C'est pour dire qu'ils n'ont pas confiance dans le système éducatif na biso. Ce qui balingi basomba banda ku basomba kawapi, basomba banda ku kaka na libanda, ils n'investissent pas. Na Congo, bazo contribuer na développement Congo nulle part. Yango Alain Daniel Tshikomba aye, visto soutenir parce que tozo comprendre son approche, tozui la classe des appauvris. C'est-à-dire il y a petit peuple tozo kemba. To yende pa na bango car ces jours de ces élections,
ce qui bazana besoin que changement kota na Congo bisonyo soto signé acte d'engagement citoyen, c'est-à-dire que bisonyo soto ko travailler ensemble pour to changer Congo. C'est de cette façon de tolingi to se débarrasser na avec les politiques. Ce n'est pas que des caméléons, nous connaissons notre camp, c'est le camp du peuple. Et lequel peuple? Le peuple est appauvri par les politiques. Nous avons plusieurs mouvements politiques en Afrique du Sud, à citer quelques-uns. Nous avons le KFF, les Congolese Freedom Fighters, nous avons le RD Congo en danger et autres, Nadjobo, Diamant par-ci par-là. Combien de ces mouvements politiques au Bazana Sima pour sa porte candidature à président to eza kaka FCP de mutu kaka a kangi par pour azalemo parce que force kaka FCP et que ça la PT qui non diaspora en Afrique du Sud à réussir que sa porte. J'ai toujours dit bien que nous combattons dans des fronts différents, dès lors que l'objectif est le même, nous allons vaincre. C'est pour dire que une fois de plus je viens pour tendre la main. Nabande konabiso ba congolais otozali ko bunda pour la liberté, pour la libération ya Congo de la main de l'oppresseur. Les structures que tu viens de mentionner, les FCP, la force du Congrès populaire, FCP en cible, RD Congo à danger, oui, tambwisami na bande ko André, KFF, Congolese Freedom Fighters, et tambwisami na bande ko Papi Sukame, ba CNCD, ezali na ba Pretoria, et tambwisami na bande ko Baki, tozali ko mona bande ko secrétaire Zadio, tozali ko mona ba professeur Boissa, tozali ko mona la classe combattante dans son entièreté en Afrique du Sud. C'est-à-dire que nous amenons vers vous notre frère, votre frère, un Congolais de souche, un sujet de la diaspora locale à Bissonabino. Ou Azali n'a même souci que Bissonabino. Nous vous tendons la main. Tozoyo ka peut-être Moussika. Il est temps que to mekato approcher, to mekato soutenir ce monsieur. Nous ne serons pas déçus. Jusque-là, M. Alain Daniel Tshikomba, Aza, le seul candidat à la diaspora, to baza ebele o baro chambutu mbutu donc des ordres na ba o baza sérieux pour ba qui ne va défendre cause ya mboka pour ngola mboka na kao soki ba koza lebele eza na ngope likamba mabete. Mais chose est vrai que il est le premier jusqu'à la preuve du contraire oyo à se manifester en quelque sorte et oyo puis, diaspora ennemi to quelqu'un bazo boycotter na je sais que il ne sera pas aimé par tout le monde. Il y aura de malinterprétations. Mais nous connaissons que Yambala Oyo, Oto Simbi, Tokenenango Tisuka. En politique, tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. On va se distinguer par l'application à bas projet de société, par l'application à bas acte d'engagement citoyen, Oto Zanango, pour nako changer Mboka, pour nako faire sortir le Congo du coma. Mais Tozali peut interpeller les Congolais. En politique, on n'a jamais été des ennemis, mais plutôt les opposants des idéologies. Ce qui est le cas, c'est que nous avons profité. Nous avons profité de la vie de la solo, de pomba bongo, c'est-à-dire de poids lourd. Ya bongo. S'il y a quelque chose que tu aimerais comprendre mieux, DSP, c'est-à-dire directeur chez Komba pour président, que je suis le coordinateur, la force du Congrès populaire, FCP en sigle, que je suis le président. Nous sommes disposés. Donc, tu as un ring, la table boy. Mais tu es bêta. Avec quel objectif? Exactement que pour moi, pour gagner tout le monde, ce soit pour là. Et ça, pour le peuple congolais, à bénéficier. Et en résumé, qu'est-ce que la population congolaise peut vérifier? En résumé, la seule façon à cause de la légitimité, c'est la voie des élections. Je sais qu'il y a mille et une questions que les gens se posent. Il y a de ceux-là qui veulent les élections, qu'on aille dans une transition sans Kabila, bien que ce n'est pas repris dans la Constitution. Il y a des autres qui n'ont pas foi que ce soit une élection avec la Kabylie, avec la machine à tricher. Et ça, on dirait toi accompagner Kabila. La machine a voté. La machine a voté. Il y a plusieurs questions autres allées comiques posées. Mais du moins, il y a un calendrier qui est bien défini. Il y a un calendrier bien défini. Oyo, tozali koluka ke Congo ebimana koma. Il y a un calendrier électoral.
Alors, tu as dit que le peuple congolais va faire biso confiance cette fois-ci. Nous sommes le sujet de la prophétie de Simon Kimbangu. Alors, qui est le Namikule Koya, Bilenge Bakobima, Bakoye Kola Bakozonga, va servir Mbokanabango. Bilenge Wana, Bisoyeyo. C'est-à-dire que tu es coli, tu es monique et tu es coqui, et comme il t'a dit, tu es servir le peuple congolais. Tu es allé à Bino, tous ali bana mboka bana kolo lupango, c'est nous qui sommes les interprètes de rêves congolais, c'est nous qui sommes de cette génération qu'on parle de la génération des successeurs. Bopé sabiso confiance, nous n'appartenons pas dans des politiques, nous venons aux côtés du petit peuple, les appauvris, puis ensemble de changer destin yamboka Congo kakandenge monseigneur Monsengo Alobaki. Comprenez que la politique est en boulaboye, maloba soukali, à la fin, certaines changent de décision, certaines changent de langage, mais c'était vraiment un réel plaisir de savoir que vous étiez vraiment nombreux à suivre notre magazine. Et un grand merci à M. Mike Alomba, ou à Pessibiso, quelques minutes d'entretien à hier. Ça nous a vraiment fait énormément plaisir. Pour le moment, nous vous disons merci, mais sans je ne peux pas finir sans pour autant remercier Batnius Obalingaka, magazine de l'Ocolé à Mandela, et puis na numéro 1, Papa Rafenguinu depuis les États-Unis, na niveau ya Congo, Papa John Ngombo, mena minute Papa John Ngombo, na niveau ya États-Unis, donc, et si on m'a cassé pour un appel à la minute, tu as bandi la poto na moutou, donc tu as bandi la poto na moutou, donc poto tu as bandi na 0-0-1, donc tu peux na bousser tenir de konanga corsi, mangari bi oza na simana biswana, c'est vraiment un plaisir pour le moment, je vous dis merci, on se retrouve dans les choses. C'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu, en profitez. Boya, parce que promotion, awa, et ça n'est que la moto. CPLA TV. Wow, it's the best. Nathalie Makoma, à bientôt. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous à Mas. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.